Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. On est en compagnie de Mélodie, on va jouer à un jeu d'intelligence. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel à elle, je n'en ai pas suffisamment. Voilà. Moi donc... non plus d'ailleurs, au moins on a un cerveau équitable, on est à deux. Voilà, à deux cerveaux contre un. L'ordinateur, on a déjà rempli la mission 1, qui était assez simple en fait. Regardez, on va vous la montrer. Trouver le plus gros, donc c'est une pastèque. Voilà. Voilà, ça c'était facile, on est applaudi. Des vrais génies. Ah, voilà. Kindaitan, tu vois. Je vais descendre un petit peu le volume, comme ça vous écouterez bien nos voix reloues. Voilà, parfait. Donc celui-là, on peut essayer. Combien de canards? Oh putain. Ah oui, on n'a même pas dit c'est quelle application. On est en train de jouer à Brain Out, le premier, pas le deuxième. Voilà, c'est pas sponsorisé ou quoi, hein. C'est juste vraiment, on fait ça pour savoir... pour s'amuser en fait, finalement. On va s'amuser en se torturant. Finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu des majocistes en fait, torturés comme ça? J'en ai compté, je crois qu'il y en a 10. Je suis en train de compter les canards. 10, hein? C'est pas ça. Je sais pas compter alors. Bah alors c'est 11, hein. Oh, merde. Attends, il y a forcément un truc de fils de pute, non? Faut tout décaler. Il y en a un. Le reste, c'est des miroirs. C'est ça. Mirror Force. Attends. Ils sont différents. Regarde-le là. Ah ouais, lui, pourquoi lui il est tout petit différent là? 8. On a 9. On a pas compté. J'étais une pétrichard. Ah, peut-être que t'as mal compté 10 en fait, ils sont 9. J'ai compté quoi? Ah non, 10. Peut-être que le canard que tu m'as dit il est différent des autres. Peut-être en fait c'est pas un canard et du coup faut pas le compter. Du coup ça fait 9. Ah ouais. C'est peut-être ça. On a trouvé la solution, on est intelligent. Un peu. Défi numéro 3. Qui est le plus grand? C'est le soleil, là. Non, c'est le soleil. Tu vois pas le soleil en haut? Ah ouais. Mais c'est sûr. Bah oui, le soleil il est beaucoup plus grand qu'une girafe. Ah, c'est vrai, parce que c'est plus en tête. Ok, maintenant je te laisse répondre à cette question, vas-y. Pouvez-vous trouver celui qui est différent? C'était pour le sélection, plus dur. Attends. Des fois, il faut tourner ou des trucs comme ça. Genre, j'essaie, on sait jamais. Ok, ça se déplace. Allez. C'est lui, yes, chopez-le. Yes. Je suis un génie. Ok. Vas-y, fais-le toi. C'est là. Quelle griffe est semblable à la griffe déployée du chat? C'est son empreinte. Waouh, c'est ça, hein, je pense. D'accord. Attends, peut-être qu'il y a un truc. Attends, lève ta papa de gauche, là. Ah bah oui. C'est vide. C'était ça, en plus. Évidemment, la main droite et la main gauche se ressemblent, enfin sauf si t'as 6 doigts à la main gauche et 5 à la main droite. Voilà, découvrez le plus grand incendie. Vas-y, je te laisse faire celui-là. Yep là. T'as deviné tout ça. Je connaissais celui-là, je crois. Ok. Ok, d'accord. Bah vas-y, fais celui-là. Fais pas la maline, fais celui-là. Vas-y. Quel est le numéro sous la voiture garée? Vas-y. Allez. D'accord. C'est un 9 ou un 60? C'est un 9, je crois. Bien joué. Ok. Réveillez le hibou. Oh, fais ton début, là. Fais la lumière. Vas-y, mets la lumière dans ses yeux. Ah, là. Attends. Faut peut-être le secouer, non? Pour que ça se transforme en lune, non? Mais je l'ai envoyé dans un autre système solaire. Je l'ai envoyé se balader dans une autre galaxie. Oh non. Quelle note donneriez-vous pour ce jeu? Je ne sais rien, moi je viens de commencer. Je sais pas, toutes les marques. Ouais, vas-y, mettre toutes les marques. Hein. C'est quoi ça, toutes les marques? Une... Je sais pas. À mon avis, c'est tous les points. C'est ça qu'ils veulent dire, à mon avis. Oui, on notera plus tard. Ok, prochain. Du coup, là, c'est à moi. Ah, oh non, une publicité. Oh là là. Du coup, j'ai le téléphone, puis on peut aller faire la croix. Trouvez quelque chose que vous ne pouvez pas manger. La poule. La poule, très clairement. Ah non, ça, attends. Ça se mange pas. On est intelligent, quoi. Vas-y, à toi. Attends, plus de chacun. Profite. On est à 10 questions sur 20. Je vais en profiter, ça durera pas longtemps. Laquelle n'est pas une vraie glace? Bah ouais, à mon avis, il faut la faire fondre. Ça fond pas. Laquelle n'est pas une glace? J'ai compris. Je crois que j'ai compris.
T'as compris? Ouais, je crois que j'ai compris. Peut-être si tu tournes le téléphone et que la glace elle tombe. Non, non, c'est pas ça. J'ai essayé, ça marche pas. Je me suis dit, c'est comme les gamins quand ils sont dans la fête foraine et qu'ils commandent une glace et après quand ils la retournent, c'est ça tombe. Et Ah du coup, je me suis dit, ouais. peut-être c'est ça, c'est pas ça du coup. Ok, on peut pas les déplacer. On peut déplacer que le soleil. Ouais. Vas-y, le soleil, rien. Je me suis dit si je le jette comme tu l'as fait la Attends, dernière je vais fois. essayer ce que j'ai fait, mais en secouant. Non, ça n'a pas marché. Ok, non, vas-y, vas-y, continue. Mais what? Je n'ai rien compris. Je vais jamais y arriver. Ça ne fond pas. Allez, fond, fond. Laquelle n'est pas une vraie glace? Une glace, c'est fondu. Une glace, ça tient. Une glace au chocolat. Ok, faut prouver pourquoi. Faut prouver pourquoi. Je comprends rien du tout. Peut-être qu'il faut la laisser sur la glace. Mais c'est ce que je me suis dit, mais ça fond pas. Oui, mais non, mais laisse-la là. Laisse-la. Non, ça marche Non, pas. parce qu'elle retourne tout le temps là-bas. Attends, j'ai une idée. Ok, je réussis. Et Maintenant, faut maman? la faire fondre. Ah, ok. Ok, tu veux jouer. Tu veux jouer à ça. Non, ça va marcher. Ça va marcher. Vas-y, je comprends rien. J'ai rien compris non plus. Est-ce qu'on peut Dommage. avoir un indice? Déplacer le soleil entre les glaces pour remonter à temps. Mais Mais c'est ce c'est ce qu'on qu'on a fait fait. depuis tout à l'heure. Mais je comprends rien. Il y a écrit déplacer-les entre les glaces. Oui, mais c'est ce qu'on a fait. Ça tombe pas. Comment ça? Des yeux. Toujours pas. C'est censé fondre là, un soleil, ça te brûle Un hein. soleil proche de toi, ça brûle à 40 degrés, même plus. C'est pas ça, c'est pas ça. Je comprends pas du tout ce qu'il faut faire. Quand faut frotter, faut qu'ils Attends, prennent un bain de qu'est-ce soleil. Vas-y, essaye. Quelle n'est pas une vraie glace? Ça risque de durer vraiment longtemps par contre. Vas-y. Assez... Ah oui, mais c'est ça Voilà, là, l'indice. putain. Mais tout à l'heure, j'ai réussi à le placer ici. Attendez. Ah, peut-être qu'il faut pas le déplacer, mais genre le déplacer. J'ai pas compris. Voilà, c'est un soleil. C'est un soleil. On peut passer celui-là. Passer pour deux. Ah, on n'en a pas deux. Ah d'accord, bon Non. bah, tant pis. Tout à l'heure, j'avais réussi à le placer ici. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs. Attends, essaye, c'est peut-être qu'il a bugué. Allez, fond, fond la glace, fond. Bon, on a réussi à trouver finalement au bout de 3 minutes. J'ai trop le seum. On avait la bonne solution, mais il y avait un problème, je sais pas. Voilà. Mais on a fini par y rêver. C'était le tour de qui d'ailleurs? C'est le mien, je voulais c'est le tien. Du coup là c'est mon tour? Ton Ouais, tour? mais t'es un peu daltonien. Oh là, trouver la couleur la plus foncée sur l'écran. Celle-là je crois. C'est quoi la couleur la plus foncée ici? C'est quoi ça? C'est ça. Elle est où la couleur la plus foncée? Je vois pas du tout. Qu'est-ce que ça peut être? Couleur la plus foncée. Couleur la plus foncée. Ah mais attendez. Je savais qu'il y avait un piège comme ça. C'était le titre. C'était le titre du coup. Toutes ces pubs là. Voilà. On devrait se faire sponsoriser là. Parce que là, avec toutes ces pubs. Alors, vas-y, à toi. Compte le Alors, nombre. comptez le nombre de cheveux. Eh ben écoute, c'est simple, tu le rases, il n'y en a plus. C'est ça. Ça a marché en plus.
Et bah c'est 3. Non, parce qu'en fait, faut attendre un peu. Voilà. Yes. This game is so beautiful. It's like a triple A game on mobile. Ok, bon voilà, c'est mon épreuve. Aider bébé caneton à boire de l'eau. Vas-y, aide-le, aide-le. Allez, bois. Bois. Bois de l'eau. Tiens, ça c'est de l'eau. Peut-être qu'il faut le briser avec la pierre et ça devient de l'eau. Non, c'est pas ça. D'accord. Ok, super. Vas-y, attends. N'appuyez pas. N'appuyez pas, bah n'appuie pas. Bah appuie alors. Bah j'appuie pas. Bien joué. J'ai cru qu'il y avait une pub qui allait apparaître. Aider maman numéro 15 terminée, déblocage réussi. Je peux pas le faire. Allez, c'est ciao. Je peux le faire, à mon avis. Aider maman. Vas-y. Allez. Quel est le meilleur plat de maman? Oh là là. Celui-là. Je l'ai même pas fait exprès. Je le savais même pas. T'allais répondre le boisson. Mais. Ces pubs, c'est un enfer. Aider maman à nettoyer la fenêtre. Vas-y, vas-y, c'est à mon tour. Vas-y, c'est à ton tour, vas-y. À ton avis, comment on fait? Ce n'est pas la bonne solution. Non plus. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué. Je m'attendais pas à ça. J'aurais pas fait ça, moi. J'aurais galéré encore longtemps. Attends, c'est bon, tu bien peux, propre, là, tu vois. Je vais nettoyer la merde. Bah, tu vas les comprendre. Bien joué. Ok. This game is so beautiful. It's like a triple A. C'est vraiment énervant par contre toutes ces pubs. Aidez maman à trouver son téléphone. Bah regarde. Il est devant toi là. Regarde ton téléphone, tiens. C'est vraiment ça. Ah c'était. Ok. Il est là ton téléphone, mamie. Il est là. J'ai appelé mamie. Ok, attends, vas-y. Le sac à main de maman, le temps que je lis le truc, il est déjà parti. Elle a été volée. Vas-y, vas-y. Perfect. Perfect. C'est quoi ça? Ah, c'est une pub, d'accord. Ok. Que veut maman pour la fête des mères? Oh bah, à mon avis, elle veut un peu de tout, hein. Ah bah, elle veut de l'argent, finalement. Ah bah non, ah bah, c'est pas de l'argent. Il y a quoi? Il y a autre chose. Elle veut quelque chose qui coûte 100 euros. Du parfum, ça coûte 100 euros. Des fleurs. Attendez, peut-être qu'il faut tout lui donner en même temps. Ah, pas lui donner l'argent. Oh. Vas-y, à toi. Aider maman à enfiler l'aiguille. Arrête de bouger. C'est arrêter de bouger. Ok, je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Faut appuyer sur jouer, hein, je pense. Oh. Oh. Attends, j'ai une idée. On est des génies. On est des génies. Bien joué. Vas-y. Du coup, là, c'est à qui, c'est à moi. Après, je doute que l'aiguille, elle fasse comme ça à chaque fois. Ok, donc. Faut recoudre, hein, c'est ça. Voilà. Voilà. Je suis un professeur. Attends, il y a un autre truc. Ah, ouais, d'accord. Non, mais comment tu fais ça? Comment t'as pu craquer comme ça Là, t'as un problème au niveau. Maman va jouer au ping-pong. Eh ben, ok. C'est une balle. Mais elle est cassée. Attends, à mon avis, ce coup, la boîte, genre, ça doit sortir une balle, à mon avis. Mais qui tire? Passe-moi ta raquette, ok, passe-moi ta raquette. Hé, hé, hé. Attends, tourne le téléphone, peut-être c'est ça. Non, c'est pas ça. Je pense que j'ai compris. C'est le point d'interrogation. C'est le rond, là, c'est une balle, non? Oh. J'ai compris. Je suis un génie. Je suis un génie. Je suis un guénine. Vas-y. Oh là là. Ouais, attendez, je me... Hop là. Ça dégage. Alors, aider maman à atteindre la position de la télé. C'est facile, faut... Mets la balle en dessous. Voilà, je suis un génie. Tu changes la position de la télé. C'est ça. Aider maman à garer la voiture. Elle se dégage. Allez, dégagez là. Vous dégagez. Tu dégages toutes les voitures. C'est ça. Attends, on peut pas pivoter la voiture? Non. Ouais. Alors attends.
Hop là. Mais non, mais attends. Attends, tourne le téléphone, peut-être faut faire dégager la voiture en les bousculant. Fais autant tamponneuse. Faire un créneau là. Ça va pas marcher. Hein. Vas-y, bah secoue complètement. Enfin, genre, tu sais, tu prends la voiture et tu fais un carambolage. Carambolage. Je veux pas me garer sur un autre parking là parce qu'il y a pas de place. Hein. Ah ouais, peut-être c'est ça, attends. Genre, tu sais. C'est une blague. Je suis un génie. Voilà, vas-y. C'est moi qui te donne la réponse. Exact, exact. Ok. Aidez maman à compter combien coûtent les fruits. Ok, c'est l'économie ça. Ouais, alors attendez, peut-être qu'il y a d'autres fruits, hein. Par contre là... D'accord. Pourquoi est-ce que l'orange, elle bouge? Ah, c'est louche tout ça. Les autres fruits, ils bougent pas, mais l'orange, elle bouge. J'ai écrit. Alors là, il y a 10 avec la poire. Il y a 14, 19. 19, c'est 19. C'est 19? Ouais, c'est 19. Je préfère c'est 18, mais bon. Comment ça, c'est pas 19? Si c'est 19, ça, 5 et 4, ça fait 9. Attendez. Ah, j'ai une idée. Il n'y a pas d'orange. On dégale l'orange. L'orange, on la prend pas. Allez, dégage. Hop là. Pourquoi est-ce qu'on peut le bouger? Vas-y, mets. Mets comment ça. Mets 14. Voilà. Vas-y. C'est pas ça. Attends, un bail avec genre. C'est pas un fruit ou un truc comme ça. C'est pas. La tomate, c'est un fruit? Ah, attendez, c'est. Combien coûtent les fruits? Mais oui, c'est ça. Ça coûte du coup 9. Non, attendez, ça coûte. 10, 15. Ça, c'est pas un fruit, ça, non, le truc c'est violet là, c'est pas un fruit. C'était combien? C'était 14 du coup. C'était 14. Ok, bah voilà, bon bah on a trouvé. On est des vrais génies. Oh là, où tout nous. Ok, les vêtements de maman ont été volés. Ah là là, petit chenapan. C'est ça toi là, non? Tu lui fais un truc de coco là, tu sais. Oui, c'est comme ça. Les Amazones. Oui, il peut pas celui des cocos. Les cocos. Faut taper l'arbre, à mon avis. Tu sais, ça tombe des arbres. Hein. Je vais te démolir. Peut-être ce couloir, tu sais, genre en téléphone, tu vois. C'est le vent. Secoue le téléphone pour voir. Ouais, c'est tombé. Ah, c'est tombé? Ouais, c'est tombé. Et hop, on va faire du coco là. Et voilà. Parfait. Une belle Amazon. Une Valkyrie. Parce qu'elle rit. Papa fait le con. Papa fait le con. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, dégage. Mais regarde-le, la pavée là. Ben voilà, j'ai réussi. Alors, de ce que j'ai vu dans Yamada, dans le canal HK, quand c'est mouillé. Ah, attendez, j'ai une idée, je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte. Mais baffe-le. Prends ta chaussure et frotte-la avec, hein, c'est pas ça. Et tes habitants, comme ça, ouais. Mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a un truc à faire avec la tasse. À mon avis, j'ai raté le truc, attendez. Peut-être lui donner la tasse. Ah ouais, sur elle. Mais non, moi je pensais qu'elle, elle allait jeter la tasse sur lui, tu sais, en mode BAM! Pour être la bande dessinée de merde là. Quoi? Oui, il avait deux oreilles. Pourquoi il avait deux. Les oreilles, mais oui, prends-lui ses oreilles! Non, c'est pas ça. Je comprends rien du tout. Faut faire un truc. C'est pas ça. Je comprends rien du tout. La pause de ma cuisine. Alors, on avait checké la solution et on n'y croit pas trop. Agrandissez la poitrine de sa mère avec deux doigts. Mais de toute façon, si il est gros, ça me largue le jeu en fait. Un gros connard. D'accord. Ça me semble un peu débile. Non, ça me semble complètement débile en fait. Maman a perdu son bracelet. À toi de le résoudre. Yep, on enlève la manche. Et voilà, on l'a trouvé. C'était dans sa main, comme d'habitude. Aidez maman à faire la lessive. Ça, c'est facile. Dedans. Hop là. Voilà.
Des professionnels. Ah, ah c'est, d'accord. Ok, ça va pas marcher. Il y avait des trucs dans sa poche, c'est quoi le problème? Vas-y, remets-le encore. On va faire 4 tours de lessive. Propre. On va faire 4 tours de lessive jusqu'à ce que ce soit propre, exactement. En fait, jette-le. Peut-être le sécher ou un truc dans le genre. Attends, il n'y a pas un truc là sur le... Oui, mais je vois qu'il y a un truc, mais je n'arrive pas à comprendre. Attends, je sais. Ok, il y avait du rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. Ok, là, retourne. Qui c'est le con qui a mis un rouge à lèvres à l'intérieur? Vous êtes génial. Oh putain. Vous êtes génial, prenez le cadeau de maman. On a fini. On est des vrais génies. Et voilà, je pense qu'on peut arrêter la vidéo là. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Voilà, donc on a fait les 35 énigmes. Donc ça fait à peu près, là, on a fait 21 minutes de tournage. Waouh, ok, ça va être long. Bon, bah sur ce, ciao tout le monde. J'espère que la vidéo vous plaira. À la prochaine. Ciao.